アシュリー、アシュリー、ここよ。もうダメかと思った。平気だ。まさか君が。ええ、私がやったの。立てそう？静か。見つけたの。この道を通れば外に出られるかも。ねえ、私うまくやれてる？このままじゃ俺は失業だ。こうして生きていられるのはルイスのおかげね。ああ、ああ見えていいやつだった。こんなのよく動いたな。Ouais, c'est clair avec la carte mère en dehors du truc et tout, méthode d'action des Plagas. Les deux moyens d'éradiquer les Plagas, l'injection d'antigène et l'opération chirurgicale. Si l'œuf du parasite n'a pas récolté, il est possible d'éliminer en administrant un antigène directement dans le corps. En revanche, dès lors que la phase d'incubation est terminée, il n'y a plus grand chose à faire à part à l'intérieur de la croissance du parasite. L'autre méthode consiste à cibler et tuer le Plagas en utilisant un rayonnement d'une certaine longueur d'onde. Mais l'opération comporte des risques. Si le Plagas s'est accroché au système nerveux de l'autre, ce dernier subira une douleur atroce. Il n'existe aucune anesthésie efficace pour ce genre d'opération. L'extraction chirurgicale comporte des risques importants avant même que le parasite ait fini de se développer. Il faut arriver à maturité et trop tard, extraire le parasite signifie la mort de son hôte. Et vu ce qu'il attend, de toute façon, la mort est peut-être moindre mal. Alors, Europe Laboratoire 6 de Dream Team, équipe de choc du labo européen. La photo d'Ambrella. Alors, vas-y. Échelle rétractable. Donc là, on va s'échapper par là. Les intentions de Sadler. C'est une erreur de croire que les Plagas ne sont qu'un outil servant à créer de puissantes armes biologiques. Leur véritable valeur réside dans leur capacité de contrôle. Quelle que soit la résistance du sujet, il suffit d'une seule injection pour transformer n'importe qui en fidèle serviteur. Quel besoin d'espion quand il est possible de transformer l'ennemi d'hier en allié d'aujourd'hui. Contrôler ne serait-ce qu'une personne importante peut suffire à mettre une organisation voire un pays tout entier à genoux. La production de masse de l'espèce supérieure a rendu cela possible. Nous avons donné ce pouvoir à Sadler, il n'y a aucun doute sur ce qu'il compte faire. Que se passerait-il si Sadler prenait le contrôle du monde? 6 milliards de loyaux serviteurs à sa botte, il n'aurait ni résistance ni guerre. Peut-être que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde connaîtra la paix. Et je sais combien Sadler et les autres ont oppressé les habitants de cette île durant des générations. Je sais comment ils les traitent. Ce n'est pas une vie, il est hors de question que je le laisse faire. Alors, à propos de notre arrangement de Luis, j'ai rassemblé les données de recherche que tu voulais. Retrouve-moi à l'endroit et leur conduit pour être sûr. Tu vas faire sortir d'ici si je te donne ma marchandise. Alors, à propos de notre arrangement de Albert Wesker, j'espère que tu n'as pas oublié l'ombre. Sans lui, les données ne servent à rien. Ce serait dommage que ton siège reste vacant alors fais en sorte que je ne reparte pas les mains vides. Tu te souviens de la phrase de code, j'espère? Ouais, de toi, je t'ai pas oublié. T'en fais pas pour l'ombre, je vais faire ce qu'il faut. On va me prendre un paquet de cigarettes en chemin, n'importe quelle marque fera l'affaire. Donc voilà, il a causé avec Albert Wesker, mais c'est Ada qui est allée. Cet échantillon que j'ai appelé l'ambre est resté longtemps à prendre la poussière dans la réserve. Comme nous avons déjà bien assez d'échantillons pour nos expériences, celui-ci est passé inaperçu. On va dire la seule chose qui m'a poussé à le ramener à mon laboratoire, tout ça, c'est sa forme particulière. Mais après une brève analyse, j'ai vite changé d'opinion. L'ambre père possède une qualité tout à fait unique. Bien qu'il soit petit et dans un état de biostase, il contient le même organe que celui trouvé dans l'espèce dominante, celui que nous avons vu uniquement chez Sadler.
Une fois pleinement développée, l'ombre pourrait égaler voire surpasser la puissance de Sadler. Heureusement, Sadler a récupéré l'ombre avant que je ne puisse faire de plus amples recherches. Il a peut-être des soupçons sur moi. Il faut que je remette la main sur cet échantillon et que je m'échappe pour continuer ces recherches ailleurs. Cette semaine, Max Sadler. Évidemment, je ne pense pas non plus que ce groupe venu de l'extérieur soit digne de confiance, mais je peux plus vraiment reculer. Avec un peu de chance, j'arriverai à négocier avec eux pour qu'ils me laissent tranquille. Je n'ai pas le choix, le monde en dépend. Ouais, sauf que Wesker, il prévoit de dominer le monde. Voilà, ce qui est pas vraiment super choupi, hein, la domination du monde. Hein, ah ouais, notre cher Wesker. Hein. Comme dans Resident Evil 5. Je me demande s'ils feront le 5 en remake. Hein. C'est une bonne question. Alors. Le trésor, bon, je pense pas qu'on puisse revenir dans le sanctuaire. Non, on peut pas revenir par là. Est-ce qu'on peut revenir par un autre moyen, comme dans le jeu... Comme dans le jeu original ? Allez, alors ma coéquipière, vas-y. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. En fait, ils offrent plus de... Ils offrent maintenant que... Alors, vas-y. Allez, le sanctuaire, vas-y. On va récupérer les derniers trésors qui nous manquent. La poudre noire, la ferraille petite. Je vais bouffer le black bass. Parce qu'il faut bien en bouffer un peu. Oh, que oui, je la connais, hein. C'est Dada. Dada, on l'aime bien. Ah, Dada, c'est d'aller... J'aime pas les Novistadors. Comme les régénérateurs. Dans la profondeur du château, j'ai trouvé ma foi, contempler les vestiges divins laissés sur cette terre, tout commence ici à Adam Sadler. Donc on dirait que sa famille à Sadler était tous des tarés. Hein. Loué soit les insectes sacrés, le paradis sur terre nous est promis. Hommes, femmes, enfants, son amour est le même pour nous tous. Bêtes, poissons ou oiseaux, chaque créature recevra sa bénédiction. Loué soit les insectes sacrés, nous sommes les humbles serviteurs de Dieu. Sa sagesse franchira les montagnes, son omnipotence traversera les océans. La lumière céleste se trouve en toute chose, que nos cœurs soient terreau fertile. Loué soit les insectes sacrés, nous sommes le troupeau et le verger nous guide. Nos prières seront chantées dans le monde entier, elles seront entendues par tous. Enfin, nous serons plus nombreux que les étoiles. C'est beau. Je trouve. Est-ce qu'on... On va monter des Illuminados. Allez, c'est parti mon kiki. Là-bas il n'y a rien. Si, il doit y avoir un moyen de monter.
Allez, vas-y. Allez, on monte. C'est par là. Heureusement qu'il y a des indications hein, pour nous dire où est, comment il faut monter, monter ou par où. Ah, moi j'ai hâte d'être au combat final face à Sadler. Hein. Attends, je ramasse le pognon, même s'ils en filent pas beaucoup. Ah, il y a le marchand là-bas. Allez, vas-y. Un lingot d'or. Eh ben, dis donc, c'est qu'ils en ont de l'or, hein. Bon, ça a l'air d'être le tout dernier marchand. Hein. Donc on va lui vendre tout ce qui est rubis et trucs comme ça, vu qu'on... ça nous servira à rien. La pièce d'huisse, Valentin du Géminado, ce lingot d'or, le velours. Ça. Thank you. Allez, vas-y. Allez, le Killer 7, on va l'améliorer à fond. Nickel. Hop, c'est bon, on a tout amélioré. Bon, on a... Non, on n'a pas fait des améliorations spéciales, mais... Mais c'est pas grave. Ah, qu'est-ce que ça va être cool. それで何がお望みだ。お宝だぞ。先に済むまえにできることは全部済ましときな。後でやっとけよかった。なんて悔やむことになったらバカらしい。そうだろ。 Mais oui, t'inquiète. C'est bon, j'ai pas de regrets. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, 44 sauvegardes. Ça fait pas mal, hein. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est Jean-Paul Belmondo. Ada, faut la sauver. Ada. Ada, aide-moi durant ce combat. Ada, il va venir nous fournir un coup de main. Ah,
Allez, vas-y, maintenant le fusil à pompe. Enfin, quand on a utilisé le magnum à fond. C'est Novistador qui arrive. Quel chargement. Se libérer, attends. Allez, vas-y. Alors, attends. Je vais me soigner un petit coup. On va utiliser ça. Normalement, j'ai assez de soins. Hein. Ah putain. Lâche-moi le casse-couille là. C'est le Vistador en même temps que Saddler, c'est un peu chiant. Par contre, le noir est chelou, hein, le noir qui aime bien cracher. Allez, vas-y, Saddler, crève. Il y a des tentacules partout. Il va nous hentai. Qu'est-ce qu'il est? Je peux viser et tirer en même temps. Mais putain. Le lance-roquette à bout rouge. Le lance-roquette spécial. Bah oui, je vais l'utiliser, hein.
Si Steve veut le battre sans, il aura qu'à le faire hein, en vidéo. Moi j'ai pas envie de prendre le chercher. C'est un peu triste qu'il fasse la gueule, Léon. Hein. Vas-y, faut se tirer de l'île avant que ça pète. S'enfuir de l'île. Allez, il y a une machine à écrire. Il n'y a plus de marchands, on se demande pourquoi. Hein. T'imagines, on prend tranquille, on cause avec le marchand peinard alors que l'île va sauter. Hein. Les mecs qui ont que ça à foutre. Alors, qu'est-ce que c'est de l'autre côté? Même si on a vu que dans Vendetta, il y en avait un qui avait réussi à s'en tirer. Le mec. Un des Los Illuminados. Allez, le Stryker Glitch. Pour qu'on démarre sans le jet ski. Concentré pour la phase du jet ski. Hein. C'est une phase un peu tendue. Et je me plante. Ouais, ça va. Ah, je pensais que c'était la fin là. Destruction de l'île.
Bon, j'aurais pas réussi à faire tout le truc de lui d'être sans me faire toucher. Là, la fin. Il fait jour. ガードを続ける気はない。もちろんあなたさえ良ければなんだけど。必要ないさ。もう自分を守れるだろ。ナイフの使い方はいまいちだけどね。さあ、家へ帰ろう。 Allez, pécho Ashley. Baisse-la. Condor One, こちら HQ. 聞こえる? 応答して! もう、この通信機壊れてるの? レオンってば! あなたたち無事なんでしょうね? 今どこなの? 全くもう! Et il va même pas draguer Unigan! Bon, après Ashley, elle est bonne, là, niveau physique. Donc vas-y, hein, qu'ils finissent avec Ashley, plutôt qu'avec Unigan qui le draguait dans le jeu original. Un sacré générique là. Je vais me taire pour que vous puissiez l'apprécier, hein, à sa juste valeur, le générique. Intéressant. Je préférais le générique de l'original avec les dessins, je trouvais que ça rendait un peu mieux. Mais pourquoi pas les photos? するつもり余計な詮索は不要だこれだけ覚えておけ新しい時代が始まる100人を犠牲にただ一人が生き残る世界俺がその世界を加速させるそう
Ah, ils ont gardé la trahison. Ah, ça c'est pas mal. Regarde la trahison d'Ada envers Wesker. Ah, ça c'est pas mal. Ah, je suis content, j'avais peur qu'il enlève ça. Parce que Ada, elle est pas méchante, Ada. Donc, c'est pour ça que dans Resident Evil 5, on la voit pas. Parce que elle a arrêté d'aider Wesker quand elle a compris que le mec il allait détruire. Le monde tel qu'il est et faire un sacré carnage et tout dans ses plans. Et Ada, c'est pas son but. Hein. Elle, si le monde est détruit, ça l'arrange pas. Hein. Voilà, c'est juste pour dire. Ah, je suis content. Et on a vu Wesker. Il était beau, hein, Wesker. Hein. Il avait une gueule plus proche de ce qui ressemble à dans R5 que dans les Umbrella Chronicles ou dans Resident Evil 1. Ah, je laisse la musique.
Ah, cette musique, elle m'a manqué. C'était dommage qu'elle n'y était pas dans, dans le remake. Hein. C'est fini. J'espère que ce let's play vous a plu. Mine de rien. On se sera amusé. Alors. Ah. Ah, résultat. Eh, j'ai un roi quand même. Bon, j'ai pas fait en difficulté standard. 12 heures de jeu, ça va. Sachant qu'à une époque, pour le jeu original, je me rappelle qu'à une époque, je mettais aussi une dizaine d'heures de jeu. Hein. Voire même, j'étais long. Juste. Au moins, là, ça vaut clairement plus le coup en termes de durée de vie que le Resident Evil 3 Remake. Alors, on va rien dire hein, sur ce Resident Evil 3 Remake. Hein, qui était la grosse déception. Alors, mourir, c'est mourir. On a débloqué la tenue mafieux. C'est pas mal. Et donc, on se retrouvera avec Steve. Aujourd'hui, je vais tourner avec lui. On verra soit du code Veronica, soit du RE4. Peut-être continuer donc RE4 de son côté, voire peut-être tester le mode mercenaire. Hein. Ça, j'ai prévu hein, qu'on teste le mode mercenaire en vidéo. Je sais pas encore qui c'est qu'on incarnera, si on incarnera tout le monde du mode mercenaire. Mais en tout cas, c'était sympa. Allez, première partie, en chargeant les sauvegardes de Benessar, vous pouvez recommencer une partie en conservant certaines données. Il vous sera possible d'acheter de nouvelles armes au marchand, mais vous ne pourrez pas obtenir le rang S+. Chapitre 1, début, nouvelle partie plus. Il était bien. J'ai bien aimé. Hormis donc les petits passages où j'ai chipoté comme Opération Ravière. Biohazard 4. Ah, ils l'ont dit, ça c'est bien. Ça manquait un peu, hein. Parce qu'ils avaient tendance à pas le mettre, ça. Ouais, honnêtement, en tant que fan, je suis quand même plus content, même si j'ai des petits défauts, j'ai souligné, hein, des défauts dans le lore, où ils ont modifié des trucs, allez savoir pourquoi, comme Opération Ravière, ils auraient pu garder tel que c'était dans le jeu original, Darkside Chronicles, où je préfère le remake du 2 qu'ils ont fait dans Darkside Chronicles que l'actuel remake du 2. Mais bon, on va pas reparler du 2, non plus. Je veux pas reparler de ces jeux que j'aime pas. Allez, j'espère que ça vous a plu. Allez, bye les gens.